Ouais, Hugo m'avait demandé de venir faire une petite présentation sur ce qu'on faisait chez nous là-bas. Donc, là-bas de neurophysio, on étudie tout ce qui est dépendance aux drogues, et comme on ne peut pas faire ça sur les gens, ça nécessiterait de rouvrir le cerveau, de regarder l'intérieur et tout, donc on fait ça sur les souris. Donc, je vais commencer par causer un petit peu de la biologie de la dépendance, en expliquant d'abord comment le circuit fonctionne de manière normale, et ensuite en expliquant comment est-ce que les drogues vont agir sur ce circuit naturel de la récompense. Et ensuite, j'ai parlé de ce que nous faisons quotidiennement au labo. Donc, comment est-ce qu'on fait pour étudier de façon expérimentale une pathologie humaine comme la dépendance? Donc, premièrement, le système nerveux va, un peu comme un ordinateur finalement, recueillir de l'information, traiter cette information et en fonction du traitement de l'information, définir quelle action, quel comportement l'animal, donc que ce soit nous ou n'importe quel autre animal, comment est-ce que cet animal va agir. Cette action va avoir un certain nombre d'effets, et ces effets vont avoir des conséquences sur l'organisme, qu'il soit bon ou mauvais, qui va lui permettre d'apprendre. Donc c'est le fonctionnement général du système nerveux, et qui est indispensable à la survie des animaux. Donc c'est la définition un peu formelle. Donc, pour définir ce qui est bon et mauvais, et donc assurer l'apprentissage de l'individu, donc, le concept clé est la récompense. Ici, je parle de récompense en termes général, donc ça peut être une récompense positive ou une récompense négative comme punition. Donc, pour acquérir une récompense, ça nécessite qu'on y travaille. Donc ici, le baudet, pour essayer d'avoir sa carotte, il va devoir bosser. Donc, la caractéristique de la récompense, c'est qu'elle va renforcer l'association entre la récompense elle-même, ici la bouffe, et un autre stimulus, comme par exemple son goût, sa couleur, ou une réponse qui sera la sensation de satiété, une fois qu'il aura attrapé la carotte, évidemment. Donc, la récompense va augmenter, une fois qu'elle a acquise, la récompense va augmenter la probabilité de reproduire le comportement. Donc, l'âne a bien compris que s'il a continué à avancer, peut-être qu'au bout du final, au bout du compte, il va finir par avoir sa carotte. Donc, ce concept de récompense est vraiment clé dans plusieurs formes d'apprentissage, comme typiquement le conditionnement pavlovien. Donc, si vous vous rappelez, le chien de Pavlov reçoit sa pâtée quand il y a, en même temps qu'une sonnerie. Donc, il va finir par associer la sonnerie avec la pâtée, et donc va finir par saliver quand on lui présente uniquement la sonnerie. Donc, dans la version pathologique, avec la prise chronique de drogue, ce qu'on va voir, c'est une substitution de la drogue à la récompense naturelle. Donc on va activer le système sans qu'il y ait réellement de récompense, et même parfois, dans beaucoup de cas, des conséquences plutôt néfastes. Dans le cas de la dépendance, l'individu va finir par rechercher de façon compulsive la drogue et en reprendre, même si le lendemain, il est nettement moins bien. Donc typiquement, on sait très bien qu'après une biture, on va avoir la gueule de bois. On sait très bien que fumer donne le cancer, mais pourtant, on va recommencer. Et dans les cas beaucoup plus graves, on finit par devenir complètement dépendant, fumeur chronique, ou héroïnomane, ou alcoolique. Donc pour comprendre la biologie de ce type de comportement, ou comment la drogue va modifier notre comportement et nous rendre compulsifs, il faut comprendre plus ou moins comment le système nerveux central fonctionne. Donc le cerveau, chez l'homme, est composé de 90 milliards de neurones. Donc on a un neurone, mais c'est la première fois que je fais un talk à des non-biologistes. Donc si je pars un peu trop dans un délire de biologiste et que vous n'avez pas spécialement les bases, n'hésitez pas à m'interrompre et à me demander des explications. Donc le neurone est une cellule un peu particulière, qui possède un pôle récepteur qui est composé du corps cellulaire du neurone et des dendrites, et d'un pôle émetteur qui est son axone, qui va aller contacter le pôle accepteur d'un autre neurone. Donc le signal envoyé est un signal électrique. Donc le neurone a pour caractéristique d'être une cellule dite excitable, donc qui est capable de générer des signaux électriques. Donc en soi, il est capable de dépolariser sa membrane cellulaire. Donc, il est capable de générer un signal électrique. Donc ce signal va voyager le long de l'axone et aboutir à la terminaison de son axone,
dans une structure qu'on appelle la synapse. Donc l'influx nerveux va provoquer la libération de neurotransmetteurs qui va être capté par des récepteurs au niveau postsynaptique. Donc globalement, vous devez imaginer un circuit composé de 90 milliards de ce type de cellules, et chaque type de cellule fait 10 000 connexions comme ça avec d'autres neurones. Donc ces connexions peuvent être soit inhibitrices, soit activatrices, et donc vous pouvez jouer à modéliser tout ça pour essayer de voir comment tout ça fonctionne. Donc parmi tous les neurotransmetteurs, il y en a une petite liste, il y en a un en particulier qui est sécrété par un tout petit nombre de neurones, environ 500 000 chez l'homme, donc localisé dans ce tout petit bout du cerveau, ben oui, par rapport au milliard d'autres, c'est vraiment un tout petit groupe de neurones, mais localisé dans cette toute petite partie du cerveau et qui vont projeter leurs axones dans un tas d'autres régions et qui sont vraiment essentiels dans le circuit de la récompense. Notamment ici, quand l'animal va se nourrir, ce que l'on va observer, c'est une augmentation de la concentration de la dopamine dans le cerveau. C'est valable aussi pour d'autres formes de récompense. Ça vaut pour la nourriture aussi, mais ça vaudra par exemple aussi pour une relation sexuelle. Donc ce que va faire la drogue, c'est qu'elle va court-circuiter la récompense, donc vous n'aurez pas besoin de nourriture, vous n'avez pas besoin d'avoir des rapports sexuels, vous allez avoir cette augmentation directement du taux de dopamine dans le cerveau. Et c'est une propriété que toutes les drogues qui vont induire une dépendance ont en commun, c'est cette augmentation de dopamine dans le cerveau. Chaque drogue va agir de manière particulière. Donc ici, j'ai pris deux exemples, qui sont la cocaïne, que je connais bien, et l'amphétamine. Enfin, parce que je travaille avec. Hein. Donc, je vous ai dit que quand vous avez un influx nerveux, le neurotransmetteur est libéré dans la bande synaptique. Et comme dans tout signal généré, il y a un moment où il faut arrêter le signal, sinon on va saturer le système. Donc dans le cas de la dopamine est recapturée par le neurone émetteur par une protéine qu'on appelle le transporteur de la dopamine. Ce que va faire la cocaïne, c'est bloquer ce transporteur. Et donc il n'y aura plus recyclage de la dopamine, et la dopamine va persister plus longtemps au niveau des synapses, et va même sortir des synapses, et donc suractiver les récepteurs, et donc saturer le système autour. L'amphétamine, c'est un peu plus subtil. Donc l'amphétamine va rentrer, elle, par le transporteur de la dopamine, et va provoquer une augmentation de la concentration de dopamine au niveau, à l'intérieur de la cellule. Et en plus, l'amphétamine va inverser le transporteur de la dopamine. Et donc, non seulement va provoquer une augmentation, comme la cocaïne, une augmentation de dopamine de manière passive à l'extérieur de la cellule, mais en plus, va provoquer sa libération. Donc, ici, les stimulants comme la cocaïne et l'amphétamine vont agir directement à ce niveau-ci. Les autres types de drogues vont également provoquer l'augmentation de concentration de dopamine, mais via des mécanismes plus indirects. Donc en agissant au niveau du corps cellulaire, ce coup-ci des neurones dopaminergiques, comme la nicotine, donc la nicotine va agir à d'autres endroits aussi. Les cannabinoïdes, eux, vont agir sur les neurones récepteurs de la dopamine. Et les opiacés vont aussi, comme tout ce qui est morphine, héroïne, méthadone et compagnie, vont agir à plusieurs endroits de manière plus indirecte. Mais finalement, l'output final restera toujours l'augmentation de la libération de dopamine dans le cerveau. Donc, cette augmentation de dopamine va avoir un effet, va agir sur les récepteurs à dopamine, sur les neurones récepteurs, et l'activation de ces récepteurs va mener à un tas de modifications physiologiques, donc notamment au niveau d'autres synapses que reçoivent les neurones cibles. Je vais prendre cet exemple-ci, mais en activant ces récepteurs à la dopamine un peu partout dans le cerveau, les drogues vont avoir plusieurs effets de ce type à différents endroits. Donc ça, c'est en condition normale. Donc là, c'est la même représentation d'une synapse que tout à l'heure. Vous avez une synapse émettrice, une partie émettrice et une partie réceptrice. Donc ceci, c'est ce qu'on peut voir, par exemple, après une journée après une injection de cocaïne à une souris. Vous voyez, la taille de la synapse va diminuer, et également un certain nombre de types de récepteurs vont disparaître. Donc cette synapse sera moins réceptrice en cas d'activation du neurone, vous voyez, présynaptique, du neurone afférent. Par contre, 2 à 3 semaines plus tard, ce qu'on va observer, c'est le contraire.
il y a plus de récepteurs à la membrane et la taille de la synapse va augmenter. Et cet état est réversible, donc si vous redonnez un shoot à la cocaïne, on va revenir à l'état initial. Donc, comme je l'ai dit en introduction, tout ce genre de choses, on sait que ça se passe chez l'être humain. Donc, les toxicomanes sont en général des êtres humains. On retrouve très peu ce genre de comportement dans la nature. Bon, il y a des singes qui recherchent des fruits pourris pour se bourrer la gueule. Mais c'est relativement anecdotique dans la nature. Donc, on a une pathologie ici typiquement humaine. Et on me dit, on ne peut pas ouvrir le crâne des toxicomanes pour regarder comment leurs neurones ont changé par rapport à des gens en contrôle qui, eux, n'ont rien pris. Donc, ce qui est, c'est que il y a quelques années, ce monsieur a compris que les différentes espèces sont apparentées et que nous partageons des ancêtres communs. Et cet ancêtre commun avait un certain nombre de propriétés, un certain nombre d'organes et de fonctions qui peuvent se retrouver conservés chez différentes espèces. Donc, en l'occurrence, ici, j'en ai montré que des animaux, parce que seuls les animaux ont un système nerveux central, mais chez tous ces animaux, ils ont des neurones qui utilisent des neurones, un influx nerveux, une libération de neurotransmetteurs, et tous ces mécanismes sont conservés entre eux. Donc, nous, au laboratoire, on va travailler sur ces charmantes bestioles qui ont pour avantage par rapport à l'être humain d'avoir un temps de génération beaucoup plus court. Donc, en 3 semaines, vous pouvez avoir une portée. Chez un être humain, le temps de génération, c'est quoi, 20 ans ? Enfin non, à partir de 12 ans, on peut se reproduire, mais ça reste la théorie. Mais il y a certaines cultures où elles sont beaucoup plus petites, donc on peut en entasser plus à un endroit. Pour les êtres humains aussi, parfois. Et au niveau de la structure générale du cerveau, on peut voir que globalement, c'est plutôt conservé. Donc, le cerveau de la souris étant bien sûr beaucoup plus petit. Donc, ici, l'échelle, c'est 1 cm. Donc, un cerveau de souris, de souris adulte, c'est environ 1,5 cm comparé au cerveau humain. C'est la taille d'une boîte crânienne, une grosse vingtaine de centimètres de diamètre. Mais par contre, la plupart des structures sont conservées. Vous voyez ici, la partie ici qu'on appelle le tronc cérébral, auquel est accroché le cervelet, que vous pouvez retrouver ici. Et la partie, la grosse partie ici, dans le cortex cérébral, que vous allez également retrouver chez la souris, également subdivisé en deux hémisphères. Donc, il y a quelques différences, même des différences assez importantes, mais globalement, les structures de base sont conservées. Donc, au niveau... système de la récompense, également, les structures sont conservées. Donc, je vous ai parlé des neurones dopaminergiques qui se retrouvent ici et qui projettent dans un tas d'autres régions. Ici, chez la souris, on les retrouve également. Et ils vont envoyer des axones ici, dans cette partie plus antérieure, qu'on appelle le striatum, qu'on retrouve chez l'être humain, dans le cortex préfrontal, qu'on retrouve également chez l'être humain, et dans d'autres régions, comme l'hippocampe ou l'amygdale. Oui ? Oui. Question, quand tu dis, il se projette, ça veut dire que... Il projette, ça veut dire, oui, c'est du jargon, désolé. Vous avez des corps cellulaires ici, et les axones vont partir. Ça peut être très long. L'axone d'un neurone, tu peux avoir le corps cellulaire ici, et la terminaison nerveuse est située environ 1 cm plus loin. Donc c'est particulièrement impressionnant chez le neurone moteur de la girafe, je pense, où les corps cellulaires sont situés au niveau du cerveau, et les terminaisons nerveuses peuvent se retrouver en bas de la colonne vertébrale. Donc vous pouvez avoir, ça reste une seule cellule, donc le diamètre de l'axone peut mesurer juste 2-3 microns, mais en longueur faire plusieurs mètres. Donc ici, voilà, je vous ai montré qu'on retrouve plus ou moins les mêmes circuits impliqués chez la souris. Ça commence à bouger. Donc ici, c'est avant une injection de cocaïne. Donc les souris, elles bougent, elles se baladent, elles explorent l'environnement. Par contre, au moment où on leur fait une injection de cocaïne, elles sont défoncées. Donc, c'est bien à montrer que... L'injection de cocaïne chez la souris, ça fonctionne. Et
Donc, on a déjà un effet psychomoteur de la drogue, comme on peut également l'observer chez un être humain. Quelqu'un sous cocaïne a tendance à être un peu agité. Bon, on peut aussi tester l'aspect lié à la récompense, justement, de la drogue. Ici, c'est typiquement un protocole de conditionnement. Donc, les souris peuvent se balader tout d'abord librement entre ces deux boîtes, où elles ont des différents stimuli visuels, donc soit des lignes, soit des poids. Également, le sol a une texture différente, donc elles peuvent clairement les différencier. Donc au début, elles peuvent gentiment explorer. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer les portes et on va pairer chaque compartiment, soit avec de la drogue, soit avec un placebo. Donc le premier jour, vous la placez, par exemple, dans les poids, vous lui donnez de la drogue. Le deuxième jour, vous la placez dans la ligne, vous lui donnez de la drogue, d'un placebo. Et en répétant ça plusieurs fois, et ensuite, en réouvrant les portes, on va mesurer le temps que les souris vont passer dans chaque compartiment. Donc, ce qu'on observe typiquement, si on a donné une solution placebo dans les deux côtés, elles vont se balader partout. Par contre, elles vont clairement préférer l'endroit qui a été pairé avec l'injection de cocaïne. Donc elles vont passer beaucoup plus de temps, donc ce qui rejoint un des critères de la récompense, qui est qu'on va revenir vers une source de récompense. Donc là, typiquement, elles sont là, elles attendent qu'on les prenne et qu'on leur file un shoot de cocaïne. Elles n'attendent que ça. Et ça reste un protocole passif, donc c'est-à-dire que c'est l'expérimentateur qui va prendre la souris et qui va lui donner la cocaïne. Donc, dans ce cas-ci, on peut également faire les choses de manière active. Donc, c'est la souris elle-même qui va se donner de la cocaïne. Donc, on lui fait un... Moi, je ne le fais pas, parce que c'est la partie gore que j'aime moins. Donc, ce qu'on sait faire, c'est implanter une intraveineuse. C'est un cathéter, comme chez un patient humain. Et il est situé ici un petit levier. Donc, quand la souris appuie sur le levier, elle se prend un shoot de cocaïne. Hop. Oui. Mais normalement il y a du réseau. J'ai essayé, c'est moi, ça marche. Il n'y a plus de réseau, quoi. Essayez du bon. Ouais, mais je suis dessus normalement. Non. Ah non, je suis sur le bœuf. Ouais, il n'a pas l'air de vouloir. Ouais, c'est le bordel. Bon. En soi, ce qu'on peut observer comme résultat, ici on compte le nombre de fois où elles vont appuyer sur le levier en une heure. Vous voyez, les premiers jours, c'est 2 à 3 fois, maximum 5. Pour les vieux junkies, mais 12 jours plus tard, en répétant cette expérience tous les jours, il faut que entre 15 et 30, donc 30 pressions sur le levier, ça fait une pression toutes les 2 minutes, et donc un shoot toutes les 2 minutes. Donc ça, ce type d'expérience montre qu'en fait, la souris va revenir vers la source de la dépendance, et également se l'auto-administrer, et adopter ce comportement compulsif typique de la dépendance. Donc, une fois qu'on a établi ces tests de comportement, donc ça veut dire qu'on peut commencer à chipoter et donc, par exemple, faire des études de génétique. Donc, on sait qu'il y a environ 20 000 gènes. Vu qu'on a le génome est séquencé, on sait qu'il y a là-dedans environ 20 000 gènes codant pour des protéines. Ces protéines peuvent servir à un tas de choses, comme par exemple récepteurs aux neurotransmetteurs, peuvent également produire des neurotransmetteurs, être impliqués dans l'afflux nerveux. Et il y a également un tas de ces 20 000 gènes dont on ne connaît pas du tout la fonction. Donc, maintenant, avec les biotechnologies, on est capable de produire des souris transgéniques. Donc, soit retirer un gène, soit en rajouter un, soit le modifier. On peut faire un petit peu ce qu'on veut à ce niveau-là. Donc, moi, notamment, c'est sur ce type de modèle que je travaille. Moi, je travaille sur une souris auquel on a invalidé un gène. Et quand on invalide le gène et qu'on fait les deux tests que je vous ai présenté précédemment. Donc, ici,
On va l'effet psychomoteur de la drogue, donc la première vidéo que j'ai présentée. Ici, c'est simplement une injection d'un placebo, donc ça ne se passe pas grand-chose. Une première injection de cocaïne. Ce qu'on voit c'est, aussi chez le contrôle, c'est qu'après jour par jour, d'injection en injection, on va avoir une potentiation de l'effet de la cocaïne, donc qui peut être un peu en contradiction avec la tolérance. Ça dépend en fait de la période entre deux injections. Ici, en l'occurrence, on a une sensibilisation, donc un plus grand effet jour par jour. Par contre, une fois qu'on a invalidé le gène sur lequel je travaille, il ne se passe absolument rien. Donc cette souris est insensible à la cocaïne, juste en invalidant un gène sur les 20 000 disponibles. Et d'autre part, quand on fait le test de préférence de place, donc quand on conditionne les souris à prendre de la cocaïne dans un endroit spécifique, on montre que les souris auxquelles on a flingué ce gène ne montre pas du tout cette préférence pour l'endroit associé à la cocaïne. Ce qui est bizarre, c'est que ce gène, a priori, n'était pas du tout impliqué dans la neurotransmission. Donc on a voulu regarder, sachant les différents effets de la drogue sur l'organisme, on a voulu regarder un petit peu comment ça fonctionnait chez ces souris. Donc ça, c'est un autre type d'expérience qui passe aussi par une implantation dans le cerveau, où on est capable de mesurer la libération de la dopamine juste dans une région spécifique du cerveau. Donc ici, au lieu d'injecter quelque chose, on va récupérer des échantillons de liquide céphalorachidien et mesurer la concentration de dopamine qui est à l'intérieur. Donc ce qu'on observe chez une souris contrôle en noir, c'est après le shoot de cocaïne, vous voyez, c'est cette grosse augmentation de libération de dopamine dans le cerveau et qui est nettement moindre chez la souris où on a invalidé notre gène d'intérêt. Ensuite, on a voulu voir si la neurotransmission fonctionnait chez souris. Pour ça, je vais rentrer un tout petit peu plus dans les détails. Au niveau de la membrane des neurones récepteurs, il va y avoir les récepteurs aux neurotransmetteurs. Donc, dans leur part, quand ils sont au repos, sont fermés. Quand le neurotransmetteur se lie au récepteur, la protéine va bouger et un canal va s'ouvrir dans le neurone. Ce canal va permettre le passage d'ions. Donc vous allez avoir une entrée de charge positive dans le neurone, donc le neurone va se dépolariser, ce qui va pouvoir ensuite se traduire par un afflux nerveux. Donc, et c'est une technique qu'on pratique au laboratoire. Donc, qui dit passage d'ions, dit déplacement de charge, et donc courant électrique. Donc on peut effectivement mesurer les courants électriques qui passent au travers de la membrane d'une cellule, au niveau d'une cellule unique. Il y a mes collègues qui ont fait une petite vidéo de ce qu'on fait en pratique au laboratoire. Il y a une toute petite partie gore. Ouais. Toute petite. Donc, ici, la petite souris, la petite victime de la science. Donc la souris a été euthanasiée, décapitée, et ça, c'est son cervelet qui a été disséqué. Donc ce qu'ils vont faire... Oui, on voit un peu le cadavre à côté, c'est la partie gauche. Donc, ici, ce qu'ils vont faire, c'est... je ne sais pas si la résolution est terrible, je ne vois pas bien ici. Donc ce qu'on va faire, c'est des tranches de cerveau, donc d'environ 200 microns épaisseur. Donc, le tout est d'arriver à garder les neurones en survie pour pouvoir mesurer l'activité électrique. Donc, tous ces les neurones là-dedans sont majoritairement vivants. Leurs connexions sont encore là. Donc. Ici, petite tranche. Oui, c'est tout petit, ça mesure moins de 5 mm de long sur 200 microns d'épaisseur. Petit zoom, ça. Là, pareil. Donc là, c'est sur quoi on va travailler. Donc la tranche de cerveau va arriver ici, sous un microscope, et on va arriver avec un micromanipulateur contenant une électrode qu'on va ensuite poser sur le neurone. Donc ici, vous voyez la tranche juste dans la chambre du microscope, et une électrode. C'est tout l'appareillage qu'on va trouver. C'est simple, en fait, c'est un amplificateur.
Donc on va clamper un ampèremètre ou un voltmètre sur le neurone, une interface digitale analogique, pour ceux qui connaissent encore, un oscilloscope que vous allez utiliser en TP de physique, et un moniteur ici pour voir ce qui se passe au niveau de la tranche. Donc ici, vous voyez une cellule. Donc elle va centrer la cellule au niveau du viseur qui est dessiné sur l'écran. Donc ça mesure, pour vous donner une idée d'échelle, ça mesure 20 microns de diamètre. Donc, ici, on va l'électrode. S'il arrive à la... se faire un focus. Ouais, ici. Et ça c'est notre électrode, dont le bout mesure environ 1 micron. Gentiment poser l'électrode sur la membrane du neurone. Bon, ça va pas vite, faut être un peu subtil. Voilà, on va l'électrode poser sur la membrane du neurone. Et ici, le signal qu'on va obtenir sur l'oscilloscope. Donc si on envoie une différence de potentiel à un signal carré, donc au début on va avoir une réponse signal carré qui est purement résistive, et une fois que la pipette, enfin l'électrode sera collée à la membrane, cette résistance va diminuer parce qu'il n'y aura plus de fuite entre l'électrode et la membrane de la cellule. Donc toutes les petites déviations que vous voyez là sont en fait des modifications du champ électrique que l'on peut retrouver dans les environs immédiats de la cellule dû à l'activité de la cellule. C'est une cellule particulière qui a une activité dite pacemaker, donc elle est capable de générer sa propre activité électrique. Là, je pense... Là, oui. Là, elle est passée en intracellulaire. C'est-à-dire on a fait un trou dans la cellule pour se retrouver directement connecté avec ce qui se passe à l'intérieur du cytoplasme et donc pouvoir mesurer des courants et des différences de potentiel de part et d'autre de la membrane. Donc ici, on voit c'est le potentiel membranaire en fait en fonction du temps. Donc vous voyez effectivement que la cellule va décharger. Chaque pic est une dépolarisation spontanée de la membrane. Et c'est ce qui constitue l'influx nerveux. Donc, chaque fois qu'il y a un pic, de l'autre côté de la cellule, vous allez pouvoir avoir une libération de neurotransmetteurs. Oui. C'est quoi l'espace temporel entre les pics? L'espace temporel entre les pics, plus ou moins. Oui, on ne voit pas bien la résolution, mais à mon avis, c'est là du 10-20 millisecondes. Donc un pic, la largeur du pic est d'environ 1 milliseconde. Donc ici, ce qu'il a fait, c'est qu'il a hyperpolarisé la cellule. Donc la fréquence des potentiels d'action va diminuer et... jusqu'à arriver à un état où la cellule est silencieuse. Et ensuite, il va réinjecter du courant pour exciter la cellule. Oui, ici, quand on injecte du courant, donc on va dépolariser la cellule. Et plus on dépolarise la cellule, plus la fréquence de décharge va augmenter. Et c'est ce qui va se passer lorsque l'on va avoir un influx nerveux. Donc quand le neurone... va recevoir un stimulus en provenant du neurone précédent, il y a les ions qui vont rentrer dans la membrane, il va se dépolariser et donc augmenter sa fréquence de décharge et pouvoir transmettre l'information au neurone suivant. Donc basiquement, c'est comme ça que fonctionne le système nerveux.